Et ça fait encore que Dieu vienne là. J'ai maudit sa femme à toi. Il a fini son séjour hier. Bon, on nous coupe, on a mangé. J'ai pas de faire des biens. Hein? J'ai pas de faire des biens. Moi, il y a pas de faire des biens. Comme on a une société, on te prête chaque fois du mois. Monsieur, merci. On a des biens, bro. Il a une pas de faire des biens. Oui. C'est un demi. Comment on dit? Le premier parole, il est très bien. Hein? Le premier parole. Une parole. Il dit, quand les gens étaient à gagner, ça gagnait plus de 50 euros. Quand les gens étaient à la peau, à fou. Ça, tu as parlé avec la peau, ça va. À fou, c'est ça, le cas de Dieu. Il nous garde alors à l'aise. Il est gâté, tu vas le voir. On est fou, on a fait. Comment t'as gâché le corps? Il faut continuer dans la l'école, mais il est prêt qu'il ait chaud, même si il est pas encore. Il va aller pleuver, on nous l'a pour car pleuver bon, c'est le résultat a sorti, il va la faire un peu, quand il passe en eau. Et quand il est noyé, il n'a pas son eau parfaite chez nous. Et, ou à New York, on fait aller le laisser les femmes. Non, mais comme ça, la société, c'est pareil, c'est la même chose. C'est vous qui avez pas mais bientôt, il va sortir, ça va vous aider. C'est pratiquement la même méthode. Mais il nous dit, bro, au lieu de parler, vous allez voir, les mêmes, c'est la même méthode d'initiation. C'est qu'il va donner bien, 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 forcément, tu tues. Bien, 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 bien. Quand tu as maintenant toi la parole dans la tempête. Il va aller, il y a des papa parole. C'est ça que c'est un danger, c'est mauvais. Vous voulez aller. Il y a tué le monde. Parce qu'il est pas prané. Il a été programmé. Il a été programmé. Qui a été programmé? Ok. Au nom de notre amour. Au nom lui. Ton âme. Je guéris ton âme. D'accord, et Dieu dit. Ah, tout c'est rentré dans l'estomac des sorciers. Moi, Dieu, il y avait, il s'avère. Arrivé au nom de Jésus. Mais il y avait dans la moyenne. Tout ce qui était gâté avant, on t'a dit. Mais vous parlez, c'est pas quoi qu'à la route. Au nom de Jésus. Mais il y avait dans la moyenne. Maintenant, reçois ta délivrance. Au travers de cette passion, le Seigneur te délivre. Dieu vive. La puissance de Dieu qui libère. Le premier tête est amené, Dieu vive. J'ai prié. Nous continuons. Amen. Le conseil, c'est tout ce que tu as fait. J'ai Dieu aussi a fait ma grâce à Dieu. Avec la 10. Vous savez ce qui fait notre particularité. Et il s'arrête là, il fait. D'abord, le sorcier doit faire aveugle. Ça, c'est important. Vous ne regardez pas. Pourquoi aveugle public? Vous voyez quoi, ils doivent aller parler. C'est une société secrète. Mais c'est pas aussi souvent. Ce qu'ils font là-bas, ils doivent pas bien s'en prêter. Amenez-vous, les aveux, ça brise le mal. Mais ils doivent aller. Le deuxième aspect de la chose, c'est qu'il faut délivrer l'individu des bains du monde. Il avait parlé au monsieur à qui Jérémie 10 000 francs disait il était contrôlé par un esprit. Comme là, il y a dans le la délivrer la personne. Mais on met la personne à prêter ses mains. Mais bien, on a la volée, mais non. C'est ça qui fait notre particularité. Mais vous voyez, quand il passe ici, vous regardez à peu près, il est plongé dans la société. Et grand, le haut. Comment est-ce que parce que nous délivrons les gens. Parce que quoi? Dieu va vivre. La vie de ma grâce est habillée. Il a gâté son école, et puis son mariage. Et nous, on a trouvé bientôt les bonnes vies. Pour aller donner les nous. Elle doit avoir les bâtons. On passe le bac et on s'en va. Devenez que tu y es. Vous savez là, vous avez. Il y a un homme dans le lit. La lumière commence. Vous savez là. On a mort pour. Vous cherchez sa soeur sur ce lit. On s'en met ici. Non, vous dormez. Abonnez à moi, non. Vous rêvez, vous êtes mouillé. C'est ça aussi. Vous calmez le rang, non? J'ai dit aux gens, Marie des nuls. Devenez où?
C'est un faux langage. Ça va, on dit mari esprit. Voilà. Les gens qui ont fait ciel sont, il est là. C'est pour l'appellation de la chose. On dit mari esprit. C'est l'esprit qui t'a épousé. C'est pas mari de nuit. Non, pas lui. J'ai un esprit de mari de nuit. Ça dit rien au démon. Oh, c'est un mari esprit. Il est sans chose, c'est un esprit. Il te comprend. Et puis il t'a épousé un esprit. Le honni le rougon. C'est comme ça. C'est il y a un monsieur dans un village. Lui, c'est sa spécialité. Quand tu le regardes, toi-même, tu sais lui les paroles. Vous savez ce qu'il veut dire, non? Adilène, Greg Bass. Greg Bass. Les basses, vous connaissez, non? Il y a le courrier, puis il y a les boutons, boutons. Mais sa spécialité, c'est des violes spirituels. Or, quand il pénètre ta chambre, et puis il a un rapport avec toi, il ferme ton ventre. C'est ce qui est dangereux. Or, quand il vous visite la nuit, en faisant le rapport avec vous, c'est les spermes là qui vous donnent les fibromes. C'est l'esprit là qui s'en équisse. Or, quand vous voyez, moi j'ai un fils qui est gynécologue. Le chirurgien gynécologue. Il m'a montré un film. Il a opéré une dame de fibrome et puis il m'a montré fibrome là, ça vit comme enfant. Donc quand il vient faire les rapports, il vous donne les maladies, les crises, les complications dans le ventre. C'est qu'il y a un esprit derrière. Parce qu'ils sont très jaloux. Or, quand tu as une femme qui a cet esprit-là, immédiatement les finances de monsieur attaquent. Immédiatement c'est attaqué. Les finances, on voit des problèmes. Va créer maladie. Vous faites promener un peu partout. Mais ça n'aura pas de résultat. C'est pour détruire tes finances. Amen. Et vous êtes. Que Dieu nous aide. Nous sommes contrôlés. Nous sommes autour de nous, c'est les mauvais esprits. Heureusement que Dieu, Jésus est Seigneur. Ce qui fait un peu notre joie, c'est que Jésus est Seigneur. Amen. C'est tout? Et vous avez la boule dans le vent de sa soeur. Hein? Oui, il y a ce pasteur aussi. Il a bloqué les mains de sa soeur. On est mort, il y a un beau sujet. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Non, il y a un peu de temps. Oh, grand-mère. Dieu, je suis à la fin de la cour. Nous, on est mort. C'est quand la fin de mai? 5 mai. Qu'est-ce que j'avais retenu? Qu'est-ce que j'avais retenu? Programmé. Or, quand il y a la programmation, si le jour arrive, vous savez, il est bon en programme. Il est bon en programme. On dit à quelle heure ça va exploser. C'est comme ça. Donc quand c'est programmé, il faut déprogrammer. C'est tout ce que tu as fait. Et ta maman. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je vais venir. On le voit, tu avais dit souvent que tu es dû. Ah, quand on a dû, monsieur. Tout à l'heure, on a l'occasion de faire l'évangile. On le voit, tu es dû. Il est dû. Un mois et un autre mois la transition. Quand vous lisez le psaume, David dit que je suis arrosé d'une huile fraîche. Il a dit le fraîche.
que Dieu nous aide. Je prête la délivrance. Oui. Or, généralement, quand les bulletins finissent de parler, moi, je ne force même plus quelqu'un. Sinon, si je parle à sa place, ce ne sont plus des aveux, c'est des révélations. Or, il n'a pas besoin de soi, il a besoin de faire des aveux. Celui qui a fait. Or, s'il a fait des aveux, on doit maintenant le délivrer. Il en a délivré. Maintenant qu'on va attaquer l'esprit. Le délivré, on va chasser l'esprit de son corps. Si l'esprit est parti, il ne constitue plus un danger. Or, ce qui le rend dangereux, c'est celui qui est en lui. Ce qui rend un braqueur dangereux, c'est l'arme qu'il a en main. L'arme qu'il a en main, ce qui le rend dangereux, c'est l'esprit qui est en lui. Or, si l'esprit parle, il ne constitue plus un danger. Or, c'est ce côté-là que les gens n'aiment pas souvent. Est-ce qu'il peut venir de manger la nuit? Je prête ta délivrance. Je détruis le pouvoir de la sorcellerie. Je détruis le pouvoir de la sorcellerie. Je détruis le pouvoir de la sorcellerie. Comme vous va pas battre. Le feu sur toi, Kosu. Le feu sur toi, Kosu. Je détruis le pouvoir de la sorcellerie. Le pouvoir, je détruis le pouvoir de la sorcellerie dans ta vie, dans le nom de Jésus. Généralement, quand c'est comme ça, et casseur, c'est qu'il n'a pas fini ses vœux. On est bien. Vous ouvrez, comment les prier? Quels sont ceux qui ont écouté? Alors quand on brûle Dieu là, il y a 10 heures. Nous avons quand même brûlé Dieu voyez. Approchez. Ah bien allez. Voilà, mettez-vous comme ça. Ouvrez la bouteille, ouvrez. Ouvrez comme ça, ouvrez la bouteille. Allez, ma tête au matin, tout Kelly est la grande main, et ma tour au bataco, le roi y a au fond. Y'a mon souillon, et ma tour au bataco, le roi y a au fond. Y'a mon souillon, et ma tour au bataco, le roi y a au fond. L'Europe, je sais qu'ils vont en Europe, parce que je vous ai compris. Le guérisseur. Balo. Eli est la grande main. Matoto patato. Oh, my God.
commencer à verser sur la terre. Merci. Non, regardez. On ne fait pas comme ça. J'ai tellement pour toi. Verser ça sur la tête. Je vais faire ça. Je vais faire le contenu. Ne versez pas la tête. Versez le contenu. Jésus vous libère maintenant. La grâce de Jésus. Voici le miracle de Jésus. Jésus vous délivre maintenant. Je vous reconnecte au nom puissant de Jésus. La mort de Jésus vous libère. Recevez la délivrance. Le nom de Jésus. Jésus vous délivre. Recevez la délivrance. Jésus vous guérit. Jésus vous délivre. La mort de Jésus vous délivre. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. Amen. Le vendredi prochain, nous démarrons ici un programme. En fait, d'abord, le mercredi prochain, à partir du mercredi. Mercredi, jeudi. Vendredi, ici, une veillée, nous aurons une grande veillée. Pour ceux qui ont des problèmes de stérilité, d'enfantement, amenez votre trousseau. Nous allons aussi prier pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Nous aurons une grande veillée. Ça sera pour moi l'occasion de présenter mon tout dernier album ici. Donc tout à l'heure, dans un programme sur Divo. Divo, déjà à partir de 17h, nous aurons cette rencontre prophétique. Voilà, déjà, je crois que le secrétariat a pris le nom de tout le monde. Donc, à tout à l'heure. Que Dieu vous fortifie. Voilà, que Dieu vous fortifie. Soyez que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et que notre Dieu, Jésus-Christ, vous délivre. Amen.